Ça fait bizarre de refilmer. Je suis de retour sur YouTube. J'avais trop peur de ne pas avoir grand chose à vous montrer, de pas trop savoir quoi raconter. Mais en fait, je me suis dit que ce que moi je regardais le plus sur YouTube, c'était tout ce qui était weekly vlog. Donc pourquoi pas tenter de faire ça. Là aujourd'hui, on est le 4 juillet. C'est officiellement l'été, même si ça y ressemble pas trop. Je vous avoue que j'ai pas grand chose de prévu pour cet été. Je pars pas en vacances. Mais je me suis dit que justement, de vlogger mon été, ça pourrait un peu mettre du baume au cœur et me forcer à sortir un peu de ma routine et de mon quotidien. Aujourd'hui, le programme du jour, déjà là il est 11h, j'ai bossé toute la matinée, cet après-midi j'ai un rendez-vous médical. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des envies de vidéos ou des choses que vous aimeriez voir. Regardez qui est venu me rejoindre pour faire des gros câlins. J'ai eu droit à une petite séance de ronron thérapie, ça m'a fait trop du bien. Ensuite je me suis remise au travail, j'ai préparé un petit post Instagram que vous pouvez retrouver sur mon compte. Au départ je l'ai fait sur Procreate mais finalement je l'ai fait sur Canva parce que ça me plaisait pas trop ce que j'étais en train de faire. Et ensuite, je suis allée chez mon médecin pour faire mon vaccin. Et d'ailleurs, ceci est votre signe pour ne pas oublier d'aller faire vos rappels. C'est hyper important. Du coup, on se retrouve encore dans la salle de bain car j'ai envie de faire un peu une douche everything shower. Et je me suis dit que j'allais peut-être vous filmer un peu ça. Bon, je disais, je n'ai pas le temps de faire un masque. Du coup, à la place, je vais juste faire un gommage et mettre ma crème et ce sera déjà très très bien. On est le lendemain matin et j'ai fait une petite session de travail depuis la maison au calme sur mon ordinateur. Et l'après-midi j'ai décidé d'aller travailler dans un café. Voilà, je vous montre ma petite tenue. J'essaye de faire ça un peu plus souvent, surtout là quand il fait beau. Ça me fait du bien de travailler à l'extérieur et de sortir un peu de mon appartement. Et je suis assez efficace en plus, donc voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai bossé un petit peu, je vais continuer à bosser à la maison et ce soir on va voir le match dans un bar parce que c'est le 8ème de finale, non, quart de finale, bref on va voir l'équipe de France. Il est déjà un peu tard, il est midi. On s'est levé un peu plus tard, évidemment. Le match a duré très longtemps et on a fait un peu de rangement et de ménage dans l'appart. Du coup, l'objectif de cet après-midi, j'ai envie de m'occuper de mon balcon. Puisqu'il y a quelques mois, je sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait des travaux sur l'immeuble qui fait qu'on avait enlevé tout ce qu'il y avait sur le balcon et on a enfin pu tout remettre. Mais du coup, l'objectif de cet après-midi, c'est que j'aimerais bien fleurir un peu le balcon. Mais je sais pas trop comment encore parce que avec les chats c'est un peu compliqué. J'ai mes adorables petits chats qui m'ont, je sais pas si vous allez voir, mais m'ont déterré mon jasmin. Il y a des choses qui traînent un peu partout. J'ai cette plante là qui est en train de mourir. Il faut que je vois si je peux pas trouver un moyen de la ressusciter. Et j'ai ça aussi que j'avais acheté à Action qui était censé me donner des petites fleurs. Ça n'a absolument pas marché. On va aller à Action, peut-être Maison du Monde, voir s'il y a des trucs en solde, Auchan et La Foire Fouille. Et j'espère trouver des petits trucs pour le balcon. Malheureusement, j'ai fait le tour de quelques boutiques, mais je n'ai pas trouvé grand-chose pour mon balcon. Et je n'ai même pas trouvé de fleurs, parce que je pense que c'est plus trop la saison pour fleurir les balcons. Pour les plantes, ce ne sera pas pour aujourd'hui, parce que là, j'ai rien trouvé. Donc j'essaierai d'aller en jardinerie. Je perds espoir d'avoir un balcon fleuri et coloré, en fait. La mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai absolument pas trouvé ce que j'étais partie chercher. Mais la bonne nouvelle, c'est que le magasin La Foire Fouille était en liquidation avec tout à moins 50%. Donc, j'ai quand même trouvé des petits trucs qui n'étaient pas prévus. Des piles. J'ai pris des crochets, des films alimentaires à la cire d'abeille. Ça fait très longtemps que j'avais envie de tester. J'ai pris une bougie à la cerise noire. J'ai pris aussi, pour remplacer les diffuseurs que j'ai mais qui sont presque vides, j'en ai pris deux, pareil, de la marque Atmosfera. J'ai pris cette petite lanterne, comme ça. Et avec, j'ai pris des bougies à la citronnelle pour éviter les moustiques.
Donc voilà pour mes petites emplettes. C'est pas fou et j'ai absolument rien trouvé, mis à part la lanterne pour le balcon. Après être allée faire des petites boutiques, j'avais envie de me poser tranquille, au calme. Du coup, je me suis installée pour faire du coloriage. J'ai lancé une vidéo de Jess Conti sur la télé et j'ai fait mes coloriages en bonne compagnie. On est dimanche midi et on s'apprête à aller voter. Ensuite, dimanche après-midi, on est allé faire un tour dans Bordeaux et profiter du beau temps. On est passé par la boutique Pépite qui a sorti un cookie pistache incroyable pour l'été. Et on est rentré tranquillement à la maison le soir. Bon, c'est la liste du montage. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Normalement, si vous êtes toujours là, c'est que vous avez bien aimé. J'avoue que j'étais un petit peu stressée à l'idée de refaire des vidéos et surtout un weekly vlog parce que j'avais un peu l'impression que ce que je racontais n'était pas forcément intéressant. Donc avec le montage, j'ai essayé de rendre ça un peu plus cool. J'ai pas non plus envie de montrer du vide, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, je sais pas trop. Mais c'était un peu un premier test pour revenir sur YouTube et surtout pour voir comment je peux organiser mes weekly vlogs, ce que je montre, ce que je montre pas. Si jamais vous avez des conseils ou des remarques à faire, évidemment, je suis toute oui. Si vous avez des suggestions aussi de choses que vous aimeriez voir, ce serait avec plaisir. Pour la prochaine vidéo, j'ai préparé du coup la vidéo sur mes objectifs, du coup avec un bilan en milieu d'année qui devrait pas tarder à arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.